戦乱神楽忍び VS 少女たちの証明。Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Senran Kagura Shinobi Versus. Pour l'école des Bijou, bien sûr. C'est reparti. Je crois qu'on entre... Là, c'est l'avant-dernier épisode pour les Bijou. Hein. Voire le dernier, je ne suis pas sûr. Ça va dépendre de ce qu'on fait. Si c'est rapide ou si c'est pas rapide. En tout cas, la dernière fois, on avait vaincu les Renégats. On avait accompli notre objectif. Sauf qu'il reste un chapitre, et ce chapitre est sûrement consacré à la vengeance de Ryobi et Ryona, qui, ce qui a été révélé dans le dernier épisode, c'est Miyabi qui a tué leur sœur Ryoki, leur troisième sœur. Ce n'était pas ces deux petites jumelles avec une grande sœur, et leur grande sœur a été assassinée par elle, là, celle aux cheveux blancs, Miyabi. Elle a été assassinée lors de son mode berserk, durant... une attaque de Yoma, où elle a été obligée de se transformer en mode berserk, sinon elle allait crever, sauf qu'elle a tué tout ce qui se trouvait dans le passage. Et elle s'en souvient pas, elle était devenue paraplégique après avoir retrouvé ses esprits, et ensuite est redevenue normale après avoir vu ce qui était arrivé à Ebijo lorsqu'un Yoma a attaqué Ebijo et l'a totalement détruit. Et du coup, bah, elles cherchaient la revanche, elles ont eu la revanche sur les Renégats, et maintenant, bah, on va voir ce qui se passe. Entre temps, j'ai entraîné tous les personnages, à part Ryona, dont je n'ai pas eu le temps, mais bien mis niveau 45, Murasaki, Imu et Ryobi sont, enfin, toutes les quatre là, elles sont bien montées niveau, sauf Ryona, qui, bah, de toute façon, est assez forte, hein, je pense. On n'a pas vraiment besoin de la montée de niveau. Alors, bah, justement, c'est Ryona qu'on prend. Il y a une limite de 10 minutes sur cette... une limite de 10 minutes sur cette mission. Il va falloir faire attention. Moi qui ai l'habitude de prendre mon temps. Alors, comment elles vont faire maintenant pour prendre leur revanche? Miyabi a complètement baissé sa garde. C'est maintenant ou jamais. Il est temps de faire tomber la tête de cette pute. Eh bien, je prendrai Imu alors. Ouais. Sois sûr de la tenir éloignée. Bien. Cela vous êtes toutes les deux. Susune, il y a quelque chose qui ne va pas? Vous avez bien accompli votre mission avec Miyabi. Et j'ai appris que vous en aviez fait beaucoup pour ce procédé. Eh bien, j'ai besoin de discuter avec vous sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de ce qui est arrivé à Ryoki. À notre sœur? Qu'est-ce que... Miyabi ne l'a pas tué. Le Yoma l'a tué. Quoi? Qu'est-ce qu'un Yoma? C'est la raison pourquoi Miyabi est devenue une berserk. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose à propos de tout ça? Non. Durant la mission, un Yoma, un démon, est venu de nulle part pour tuer tout ce qui se trouvait sur son passage, le bon et le mauvais. Miyabi a tenté de le combattre et a invoqué le Blood Riot. C'est ce qui l'a fait devenir une berserk. Donc elle est devenue berserk après que notre sœur ait été tuée? Après que le Yoma ait tué? C'est le nom de notre sœur, tu veux dire? C'est ça. Non. Tu mens. Pourquoi je le croirais? Comment connaissez-vous cette histoire? J'ai utilisé un peu d'hypnose sur la mémoire de Miyabi. Bien.
Et pourquoi vous venez juste maintenant pour nous le dire? Si je vous l'avais dit avant... Vous seriez sortir pour tuer la bête vous-même. Plus que ça, toutes les informations sur Yoma sont strictement confidentielles. Et ne doivent pas être dites aux étudiants des écoles de Shinobi. Les Shinobi amateurs comme vous n'ont aucune chance face à Yoma. Mais vu que vous avez réussi sans encombre la mission des Renégats, je pense qu'il est temps de vous dire tout ce qui s'est passé. Ryobi. Elle est en train de couvrir Miyabi. Je ne vais pas le croire. Et même si c'était vrai, il est trop tard pour retourner en arrière maintenant. Ryobi, attends. Ryobi, où est-ce que tu es? Est-ce qu'elle... Elle est partie chercher Miyabi. Je dois me dépêcher. Te dépêcher où? Murasaki. Je pouvais le dire dès le début. Tu sens le danger. Vous planifiez de tuer Miyabi et ma sœur. Qu'es-tu en train de dire? Protéger ma sœur. C'est pourquoi... Penses-tu que tu le peux? Oui. Je peux. Je le sais maintenant. Je le sais enfin. Pourquoi mon pouvoir est fait? C'est pour protéger les personnes que j'aime. Ce pouvoir lui fait peur. Mais maintenant, il va le servir à le maintenir en vie. Et nous deviendrons encore plus proches, comme nous étions quand nous étions petites. Je ne vais pas te laisser lui faire du mal, Ryona. Peu importe ce qui se passe. Je vois. Je pense qu'il est trop tard. Le processus a déjà commencé. Qu'es-tu en train de dire? Les sentiments que tu as à propos d'Imu. C'est ce que je ressens à propos de Ryobi. Donc, tout ce que je peux dire, c'est désolé. Oui. Eh bien, moi, je ne le suis pas. Ça part en couille. Donc, ce n'était pas Miyabi qui a tué Ryoki. C'était un Yoma. Eh ben, putain. Et pour les sœurs, c'est difficile à apprendre parce que c'est une mission qui dure depuis plusieurs années, qui tombe en lambeaux d'un coup. Imaginez, vous prévoyez quelque chose depuis des années, et d'un seul coup vous apprenez qu'en fait c'était pas la bonne personne qui a tué la personne, et du coup qu'est-ce qu'on fait? Surtout que le truc qui a tué la personne, c'était un Yoma. Un démon invincible qui ne peut pas être tué, même par une Kagura. Imaginez. Enfin si, une Kagura peut en tuer, si le démon est tout seul. Mais s'ils sont en bande, la Kagura meurt. Et c'est ce qui s'est passé durant la mission de Suzune Rin. La maître qui avait tout à l'heure là. Elle est... Dans le dernier épisode, elle avait raconté comme quoi elle avait affronté un Yoma avec une Kagura. Ils étaient une équipe de 10 avec une Kagura. Et ils étaient allés dans une antre de Yoma, avec plein de Yoma partout. Mais le problème est que, vu qu'il y avait plein de Yoma, la Kagura est morte. Alors que c'est censé être une divinité, hein, une Kagura.
une réincarnation de divinité. Donc bon. Même un groupe de Yoma peut vaincre une divinité. C'est chaud. Hop, level up. Je me dépêche parce que bon, c'est quand même un contre-la-montre. Et je sais pas si ça dure longtemps ou pas. À mon avis, ça va pas durer longtemps, mais bon. Bon, on va se transformer, ça ira plus vite. Ah, en fait, j'ai changé leur culotte. Pour que... Enfin, comme toutes les autres, en fait. Pour que ça ressemble plus à leur personnalité. Et elle, ce genre de culotte, je suis sûr que ça ressemble plus à sa personnalité. Utsukushiku Haoki Gunslinger. Elle serait montée de niveau, elle ferait beaucoup plus de dégâts et ça prendrait moins longtemps, mais bon, tant pis. C'est ma faute, j'ai pas pris le temps de la faire. Il y a eu un petit bug, elle est restée un peu plus longtemps en l'air que d'habitude. Ça arrive depuis un certain temps là, je sais pas pourquoi. Le jeu arrive peut-être à son terme, hein, et du coup, bah, ça fait... Il y a quelques bugs. Mais même avec Ryobi, ça le faisait, quand je l'entraînais. Je commence à comprendre qui sont Ryobi et qui est Ryona. Ça, je commence à m'y faire. Et là, normalement, c'est le boss. C'est ça. Murasaki. Tu toucheras pas à ma sœur. Skaters Waltz. Je lui fais pas énormément de dégâts. Elle aussi, j'ai changé ses culottes pour que ça ressemble un peu plus à ce qu'elle mettrait. On y va. Skaters Waltz. Est-ce que j'ai que... Ah ok. Gunslinger. Et on termine avec un Skater as a Waltz. Et donc c'est Ryona qui doit gagner ce combat, vu que c'est elle qu'on contrôle. Hein? Celle-là alors. Je suis désolé, Murasaki. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas assez forte pour te stopper? Tu es vraiment forte, Murasaki. J'ai juste été chanceuse, honnêtement. Murasaki. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière.
Ouais, dirigeons-nous vers la vraie fin de cette histoire. Attends-moi, Ryobi. Putain, j'espère que toutes les filles ne vont pas crever. Oh, ce serait le pire scénario qui existe dans ce jeu, quoi. Pas encore. Je dois protéger ma sœur. Je dois... Ah la vache. Elle est tellement peu de niveau qu'elle monte de 5 niveaux d'un coup, quoi. Cet endroit la monte énormément de niveaux. D'habitude, plus on approche du niveau 50, en fait, plus elles sont difficiles à monter de niveau. Hein. À partir du niveau 40, elles montent d'un niveau tous les combats, en fait. Donc, bon. Miyabi reste sur le champ de bataille par elle-même. Elle ne dit pas pourquoi principalement elle veut rester ici. Je me mettrai entre trois branches et pointer mon fusil vers elle. Distance 3430 mètres. Pas devant. Une ligne de mire parfaite. Mon viseur était sur la tente de Miyabi. Je ne pouvais pas la louper. La balle va directement aller dans son crâne. Je prends une douce respiration. Elle est sans défense. Elle est à ma merci. J'allais faire qu'ils... Elle commence à être inquiète. Kessen, Hanzo, Nerinega. Nous avons combattu côte à côte. Tous les autres. Seulement pour gagner sa confiance. Et maintenant... En gros, elle va briser la confiance, tout ça. Peu importe si j'aimais ça ou non. Nous sommes des camarades maintenant. Mais je ne peux pas changer ce pourquoi ma vie a été faite tout ce temps. C'est pourquoi j'ai... Elle a bloqué, entre guillemets, tout ce qu'elle a entendu de Maître Suzume. Ce n'est pas un Yoma qui a tué notre sœur, c'est Miyabi. Je me le répétais encore et encore. Ryona et moi. Pendant des années maintenant, la revanche a été notre façon de vivre. Nous avons mangé avec ça. Nous l'avons mangé, nous l'avons respiré. Elle nous nourrissait pour nous faire grandir. Peu importe la douleur ou la tristesse ou le surmenage que nous avons fait, nous nous sommes poussés à fond pour ce moment. Et ce moment... est dans mes mains maintenant. Si je laisse ça passer, toutes ces années pour que nous en avons vécu n'étaient rien, ne seraient rien. Je fixais ma nervosité avec une profonde respiration. Mes doutes partaient. Mon doigt était sur la gâchette. Je dois le faire. Nous ne bougerons jamais de là. Je me rappelle de tout ce temps où nous étions avec notre sœur. Elle
Elle allait tous les jours à l'école. Prenez soin de nous le matin. Et travaillez avec dans une place de son amie la nuit. Elle n'avait pas énormément de temps pour dormir. Elle nous disait toujours de vivre une vie tranquille. De traiter les autres avec honnêteté et respect. J'ai honte de dire que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je mise tout mon pouvoir dans cette balle. Yes. Bien. D'un seul coup, quelqu'un apparaît ça dans la vue du scope. C'était Imu. Yana, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Imu attrapa les mains de Miyabi et la prena autre part. Merde. Si Nja n'y gagne pas maintenant, elle va partir. Il n'y a plus de temps pour hésiter. Derrière Imu, je peux voir la tête de Miyabi. Maintenant. J'appuie sur la gâchette. À ce moment, une ombre se metta sur la ligne de mire. Hein? Cette ombre, c'était Murasaki. Cela... Donc ça a touché Murasaki dans le dos. Et la seule chose qui toucha Miyabi, c'était le sang de Murasaki. Murasaki resta figé un moment, puis tomba sur le sol. Murasaki, pourquoi? Murasaki! Murasaki! Miyabi-san. Miyabi. Grande-sœur. Avez-vous mal? Non. Tu nous as sauvés. Dieu merci. Mince. Qui pourrait faire ça? Soyez prudente. Ryobi, Ryona. Veulent vous tuer? Ryona et Ryobi? Quoi? Que veux-tu dire? Pourquoi? Prends soin de Murasaki. Je vais vers le sniper. Je suis désolé, grande sœur. J'étais toujours derrière toi. Jusqu'à la fin. Ce n'est pas la fin. Tu comprends? Maintenant, ferme-la. Ne dis rien de stupide. Et je suis celle qui devrait se pardonner. J'étais juste jalouse. C'est pourquoi de ce pouvoir que tu avais. Pourquoi je gardais mes distances. J'ai été une horrible sœur pour toi. Tout ce temps, je suis vraiment désolé. Regarde le ciel. Sœur. Il est si haut. Merci. De m'avoir fait sortir de ma chambre. Pour pouvoir le voir. Avec toi. Tu as toujours été la meilleure sœur que j'ai jamais eue. Oublie-moi maintenant. Va protéger Miyabi. Murasaki.
Prends ça. L'agonie de perdre quelqu'un que tu aimes. C'est un cadeau de notre famille, pour toi. Tu penses que Miyabi est sorti de tout ça, non? Elle a juste... Attends. Ouais. Elle dit quel idiot resterait dans un champ libre de sniper alors que il y en a un quoi, honnêtement. Oui, oui. Je vais te faire le payer. Espèce de salope. Très bien, viens moi. Oh la vache. Ça part en génocide en fait, tout le monde meurt. C'est horrible. J'ai envie de voir la fin, mais c'est horrible. Alors, en parlant d'horrible, je sais même pas combien de temps ça fait. Ryobi, j'aime bien faire ça. Vas-y, transforme-toi. Ah mince, je les ai passés sans faire exprès. C'est le réflexe de faire ça. Touché. Allez. Ricochet en Pléliodon. Voilà. En fait, Ryobi, elle est pétée. Elle est pétée parce que quand elle fait énormément de dégâts avec ses trucs qui font des ricochets, c'est énorme. Là, j'en ai terminé en même pas 10 secondes, en fait. Enfin, 10 secondes, si, quand même. 55 secondes, on va dire. J'ai bien pris mon temps. Mais, voilà, quoi. Je vais te battre. Je t'ai battu. Je t'ai battu. Murasaki. Je pense que tu vas me laisser une marque. Maintenant, tout ce qui reste, c'est Miyabi. Pas de repos jusqu'à ce que ce soit fait. Murasaki. Murasaki. Miyabi. Pourquoi? Je ne peux pas terminer ici. Qu'est-ce que... Ce sentiment. Est-ce qu'elle va s'éveiller à la racine de la calamité, elle aussi? Est-ce que ça va être son dernier pouvoir? Ou est-ce que elle ressent ce sentiment parce qu'un Yoma s'approche? Qu'est-ce qui se passe? Alors attends. Attendez, je vais voir combien de temps on en est, parce que sinon, on va pas en terminer. On en est à 28 minutes. Et ben, je vais terminer l'épisode ici, les amis, je pense. Donc sur ce, je vous dis à tous, ciao, à plus, et on se retrouve au prochain épisode, qui sera sûrement le dernier épisode de Senran Kagura Shinobi vs. pour l'école des Bijo. Mais, on aura terminé les trois écoles, sauf que... À mon avis, il va y avoir une école à débloquer. Parce qu'il y a un point d'interrogation sur le coin de sauvegarde, comme s'il y avait une quatrième école. Et je suppose que cette quatrième école, eh ben, c'est les renégats, en fait, avec ma waifu. Donc, ce ne sera pas la fin de Senran Kagura Shinobi Versus, ne vous inquiétez pas. Allez, salut à tous, et rendez-vous aux 4 jours pour la fin de cette histoire de génocide, entre guillemets. Je sais pas du tout ce qui se passe, mais bon, on verra bien. Allez, salut à tous.